I'm in my senior year of high school, and I don't know if I should go to Morristown Yeshiva or if I should go to college, because I want to do well and want to make lots of prasa in the future. I don't know which direction to go. You have never went to the yeshiva. I never went to yeshiva. That is what I have at least for 1 year to learn in the yeshiva. Well, should go to Morristown here after high school? Yeah. Then are you finishing high school? In June. Yeah. Then you can arrange it. The money start, which we will know approximately the time that you became free to prepare for you, then some needs for preparations. And this is a good idea to make an interruption between the dedicated truth and the recorded before starting college. And the sweet feeling, good news, and some feeling too. La première fois que j'ai entendu parler de la yeshiva, j'étais en Équateur, à Quito. J'étais en stage universitaire et j'étais en train de me dire que j'avais besoin de passer une année à la yeshiva avant de démarrer ma vie professionnelle. Et à ce moment-là, le chaliar de Quito m'a dit « Il y a en France la meilleure yeshiva, c'est la yeshiva de Brunois. » J'ai toujours cherché à aller à la yeshiva. Depuis que j'étais en terminale, même avant de passer le bac, j'ai toujours voulu aller à la yeshiva. Et quand j'ai découvert qu'il était possible de venir à Brunois, et que j'ai découvert un peu c'était quoi la yeshiva de Brunois, je me suis tout de suite dit, ça m'a tout de suite intéressé. Je me suis retrouvé dans la classe de Tiferet Menachem, grâce principalement au chaliar de ma ville, qui m'a beaucoup conseillé cette yeshiva, ainsi que quelques amis qui m'ont aussi conseillé et m'ont motivé à venir ici. Il me restait encore à choisir entre deux yeshivot, la yeshiva de Brunois et une célèbre yeshiva parisienne. Alors j'ai interrogé mon oncle et il m'a répondu la chose suivante. Si tu veux simplement apprendre à étudier la Torah, la Gemara, alors va dans telle yeshiva. Par contre, si tu veux aussi apprendre à servir Dieu, alors il faut que tu ailles à Brunois. Et à ce moment-là, ça a été le déclic. J'ai pris mes affaires et je me suis rendu à Brunois. On passe les portes de la yeshiva, en fait on découvre un autre monde complètement. Il y a toute une kudusha, toute une sainteté de toutes les générations de chassidut qui nous ont précédés, qui imprègnent tous les murs de la yeshiva et c'est ça qu'on ressent. On est complètement imprégné de toute une ambiance, de toute une atmosphère. C'est quelque chose qui nous pénètre en vérité et qu'on va garder toute notre vie. Et dès que je suis arrivé, les bachorim, ils m'ont accueilli comme un frère. Ils m'ont pris la main, ils m'ont accompagné. Et je me suis tout de suite senti très intégré. Il y avait la possibilité d'intégrer la yeshiva dans un cursus spécial qui était adapté pour les gens qui avaient fait des études profanes auparavant et qui n'avaient pas forcément, dès le départ, le niveau de la yeshiva. Et en même temps, on a pu profiter de toute la kdusha, toute la sainteté de la yeshiva, comme les autres bachorim. Et ça m'est tout de suite à l'aise de voir que non seulement les Français, mais aussi tous les bachorim de l'yeshiva avaient cette même mentalité. Et pour eux, j'étais comme un membre de leur famille, même si on vivait à des milliers de kilomètres de différence. En un an de yeshiva, notre évolution est exponentielle. Que ce soit la mentalité, les décisions qu'on prend pour plus tard, notre état d'esprit, ou même nos actes, évoluent de façon exponentielle. Nos agissements, nos convictions religieuses, tout est renforcé et amélioré. Ce qu'on vit ici, en un an à Brunois, c'est irréel. On rentre dans le Zal, la salle principale, et on trouve 200 bachorim en train d'étudier Chassidut en français, en hébreu, en anglais, et tout de suite on est plongé dans une ambiance qui n'existe nulle part ailleurs.
J'ai pu vivre ça pendant un an et ça a transformé ma vie pour toujours. On rentre dans cette classe de Tiferet Menachem, on s'intègre tout de suite dans l'ensemble de la yeshiva et chacun prend ce qui lui correspond et ce qu'il recherche en vérité. La yeshiva m'a beaucoup aidé à devenir un homme, passer d'un adolescent à un homme. Je peux être sûr que j'ai créé de très fortes bases, de très fortes fondations qui me permettront de réussir à l'université. À la fin de la yeshiva, je me suis marié, Kollel, et j'ai ensuite repris mes études que j'ai terminées, mon cycle universitaire. Finalement, j'aime tellement cet endroit qu'il y a un an, j'ai décidé de revenir avec mon épouse et mes trois enfants pour avoir l'opportunité de temps en temps de revenir. Et je me replonge dans cette ambiance unique. Avec ça, je me ressource pour toute la semaine. Finalement, après cette année d'études à la yeshiva, Baruch HaShem, je me suis marié. J'ai aujourd'hui trois enfants et j'ai terminé mes études. Aujourd'hui, je travaille et ça m'a pas empêché non plus de commencer une petite shlichut à côté et de traduire certains livres aussi en français, certains livres du Rabbi qui sont aujourd'hui disponibles en français. Et à présent, je suis convaincu que n'importe quel étudiant qui, après son bac ou pendant ses études, vient passer un an à la yeshiva, à Tiferet Menachem, et qui s'investit pleinement, alors il peut apprendre énormément de choses et apporter énormément de lumière autour de lui. Et quand on sent qu'on est une petite partie de ça, ça donne une énergie incroyable. Wenn hot a yid a lichtig leben de gashmiyus, wenn er hot de eira zutera, und das macht ihm lichtig, ad anoch, als er geht er weg in sein Miske, als er geht er weg zu sein Job, als er geht er weg und setzt sich essen. I was eh kon er hoben a lichtig in Essen mit a lichtig in Parnassen und kon er bezahlen die Mogig und mit dem Spolver und von allerlei Schwierigkeiten ersetzt und um die Lichtigkeit, wenn er hat, wie sieht ihn betäre in demselben Tag. Will haben heutigen Tag ein Lichtigen, darf er heutigen Tag haben mehr zu teilen. Das hilft ihm aber, der Quiz sieht ihn bei jedem auf dem ganzen Jem, Quiz sieht ihn bei Weiler auf dem ganzen Leiber.